Je suis vraiment obligé de retourner là-bas. Parce que j'ai quand même un peu tourné dans tous les sens et j'ai pas vraiment trouvé le coup des piliers. Ou est-ce que c'est ces piliers-là? Ou est-ce que c'est un indice pour le... Attends, vous savez quoi? On va y retourner, on va voir. Parce qu'en fait, j'essaye de réfléchir, mais j'ai pas eu l'impression à ce point d'avoir trouvé les quatre piliers de la foi. Dans le... Est-ce qu'ils veulent parler des trucs qui sont en dehors, en fait? Parce qu'ils vous donnent l'indice dans la pyramide. Mais j'ai rien trouvé dans la pyramide. Donc est-ce que c'est ces trucs-là, les piliers de la foi? Ouais, je touchais même pas ce truc, je comprends vraiment pas comment ça se fait qu'il y a des fois où Mario décide simplement de... Donc oui, est-ce qu'il faut que je grimpe là-haut? Est-ce que... Parce que la plupart sont dans des... sont au-dessus des sables mouvants, donc... Vous savez quoi, on va commencer par là, parce que... Je pensais que c'était dans la pyramide, mais le problème, c'est que la dernière fois, ça a pas très bien marché. Oh, il y a des pièces. Vite, Mario, utilise l'absence de gravité. Ah, oh, j'ai cru voir un chiffre s'apparaître au-dessus. Non. Qu'est-ce qui m'arrive? Et... Comment je m'en vais maintenant? La caméra ne m'aime vraiment pas dans ce jeu. Non mais je peux pas la tourner sur la droite. Ou je peux pas la tourner sur la gauche. Je peux pas la mettre derrière Mario. Voilà, on est comme ça. Si je saute en phase, je tombe sur un truc qui glisse ou est-ce que... Ah! Vite, fuis! La tornade, non! Vous savez quoi, ça marche aussi. Ah oui, mais il n'y a plus la carapace. Mais après, les autres piliers, je peux peut-être les atteindre ça. Bon, on va voir. Bref, je sais plus si j'avais... Si, je crois que j'ai commencé, mais je me suis arrêté en plein milieu. Donc bonjour tout le monde, ici Jadeux, et je vous... Pluche. Retrouve. Pour un nouvel épisode de Super Mario 64. La dernière fois, j'ai passé genre 3 heures dans la pyramide. Et ce fut pénible à devoir refaire plus ou moins le même puzzle en boucle. Mais bon. Et dans cet épisode, on essaye de résoudre l'énigme. Non, il n'y a pas de nombre. Des quatre piliers, alors. Bon, ben, je suppose que c'était... Faut que je remonte là-haut encore ? Oh non ! J'étais mort 15 fois en... Pourquoi est-ce qu'ils recyclent à ce point leurs énigmes ? C'est exactement la même chose que la dernière fois, mais faut monter sur 4 piliers avant. Ok, merci Torna, tu ne m'as pas beaucoup servi. Je mentirais si je dis... À la limite, je pourrais essayer d'y aller en casquette télé, mais... Oh, ils avaient pas beaucoup d'idées pour ce niveau, hein, parce que... Là, c'est littéralement recyclage et compagnie, je suis désolé. Tu peux venir jusqu'à moi, espèce de... ville... Ville bestiole des ténèbres, tu peux arrêter de m'envoyer des flammes dans la face? Ramène-toi ici, est-ce que t'es bloqué sur le rebord et que tu peux pas avancer? Yip. Le truc, c'est que si je m'avance, il m'attaque.
Et si je tombe, je meurs. Viens jusqu'à moi. Viens, descends. Attaque-moi. Merci. J'ai... Ah non, ça faut presser sur la gauche. Il regarde à droite, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en prison, je ne peux rien faire. Qui dérange mon sommeil éternel. Pourquoi certaines étoiles sont ultra complexes et longues? Tout bruit doit être puni, un truc va être détruit, combat à main nue. Et nous voici. Dans l'habituel combat contre un ennemi. Avec des mains, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Non, parce que il y a du vide sur les rebords. Je m'attends à ce que si je suis poussé hors de l'arène, je meurs. Donc là, et que je dois tout recommencer, mais... J'ai pas envie de tout recommencer, et le jeu me dit absolument rien de ce que je dois faire. Il y a des yeux qui s'ouvrent, mais d'attaquer fait rien. Bah, qui me laisse l'opportunité d'attaquer les yeux. Ou peut-être qu'il faut attaquer un certain nombre de fois, c'est tout. Il me laisse de moins en moins de temps, donc peut-être. Ok. Que quoi, hein? Moi perdu, moi faible, nul. Toi nouveau pharaon, tiens pour toi, moi dormir, dodo, ciao. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire, ciao. Ok. Alors, une espèce d'indicateur qui prenait du dégât aurait été cool. Genre, vous savez, juste qui clignote ou qui je sais pas, qui perd un doigt ou quelque chose, juste pour montrer que ce que je faisais était ça, mais bon. Prochain, c'est les pièces rouges, je suppose. Oui. Oh, vol. Ah oui, bah oui, il y en a dans les airs. On a 4 dans les airs et 4 dans l'espèce de mini-labyrinthe, non? 3? Il y en avait quelques-unes dans le mini labyrinthe chose bidule. Elle était planquée dans le bloc, mais de loin vous voyez la pièce mais pas le bloc. Et la caméra qui pète un peu son câble aussi. Je suis nul avec la casquette télé, mais eh ben écoutez, c'est pour ça qu'on va commencer par ça. Non. Oh, il y en a une ici aussi. Ok, cool, la majorité sont dans les airs. Ils auraient pu passer pire. Où est le canon? J'ai fait tout ce que je voulais faire. Totalement ce que je voulais faire. Oh, bizarre. Ouais, je te le fais pas dire. La casquette, le fonctionnement de la casquette télé est juste trop bizarre, en fait. Le fait qu'il fa... Enfin, je comprends la logique, vous devez vous laisser redescendre pour pouvoir reprendre de l'altitude, mais...
L'attitude gagnée me paraît faible. Et le jeu vous donne pas assez la casquette ailée pour vous permettre de vraiment pouvoir vous y habituer plus que ça. Donc de manière générale, pour moi, le plus simple, c'est encore de juste récupérer la casquette ailée et aller jusqu'au canon. Donc il est là-bas, ouais, ok, très bien. Oh bah il y a une casquette juste à côté en plus. Non, non, j'ai... Attendez, je bougeais même pas, je... Est-ce qu'on peut s'envoler avec un double saut alors? Ou est-ce que je bougeais quand même un peu et ça comptait? J'ai rien compris, Les mécaniques de ce jeu me... Oh, 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 sérieusement, j'ai cru que j'avais été pile poil. Et puis Mario a décidé que non. Triste. La casquette ailée est une super mécanique, mais bon sang, qu'est-ce que c'est incontrôlable. Est-ce que vous l'avez pas assez? Vous l'avez pas assez, donc ça vous permet pas vraiment de la maîtriser plus que ça. Ok, non, il fait une espèce de troisième saut s'il a la casquette ailée apparemment. Parce que je... Bon, la caméra a décidé de ne plus coopérer, c'est pas grave, c'est pas nouveau. Bah écoutez, on va juste viser le plus haut possible. Non, j'ai... Comment il fait pour faire cette espèce de petit wahoo à chaque fois? Je descends à peine. Ça doit être basé sur votre vitesse de pointe. Je contrôle tellement rien, waouh. C'est... pas facile. Au moins, j'en ai une. Est-ce que le piaf peut ne pas me choper? C'est vrai qu'il a l'avantage dans les airs, mais c'est honteux. Oui! C'est bon. Normalement, on a eu les 4 dans les airs. Faut juste que je réussisse à choper les 3 autres sans crever. Attends, espèce de poulet surdimensionné. C'est pas possible! Je déteste le fait qu'il soit encore là. Mais va-t'en, retourne dans ton bon, dans ta zone. Jusqu'où il a le droit d'aller? Il va me poursuivre sur tout le niveau maintenant. Avec le risque, bien entendu, que s'il me touche, il me catapulte dans les sables mouvants, parce que c'est comme ça que ça marche. Je crois qu'il m'a laissé tomber. Attention, faut pas oublier que Mario fait son espèce de demi-tour zarb à chaque fois. Où sont les dernières pièces rouges? J'en ai 6, non? Je sais que j'ai pas récupéré celle qui est au tout début. Celle-là, je l'ai eue. Où est la dernière pièce rouge? Ah ouais, elle est au tout début. C'est vrai, j'ai oublié, elle est au tout début. Il me semble que c'est genre le premier truc que j'avais fait quand j'étais arrivé dans ce niveau, je crois qu'il y avait... Ou c'est une pièce normale? Oh, je sais plus du tout. Celle-là, au moins, elle est tranquille. Oh, ok, d'accord. Il m'a traversé, je peux... Ouais, c'est ça, elle est au fond. Donc, je peux facilement crever et devoir tout recommencer si je me décale d'un ou deux pixels trop sur le côté. C'est naze. Y a quelqu'un qui me suit? Non, c'est bon.
on va avancer tout doucement. Parfait, Mario n'a pas fait son demi-tour arbre, probablement parce que je n'avais aucune vitesse. Avançons lentement, j'ai pas envie de crever, cette étoile était une plaie. Beaucoup moins que la précédente. Ou la précédente. Enfin, la précédente avec les piliers était surtout naze dans la logique, d'accord, mais combien d'étapes il faut pour une étoile? Sachant que la plupart d'entre elles donnent l'impression de fonctionner sur la logique, une erreur, tu recommences tout. Non. Oui. À moi. Ah. Dites 63. Par contre, comme le précédent était long parce que j'ai dû recommencer l'ascension de la pyramide 15 000 fois, je pense que je vais m'arrêter là parce que là, si j'en relance une, ça va prendre au moins 10 minutes, un quart d'heure et... Oh, sans vouloir faire mon feignant, j'ai pas super envie d'enchaîner des épisodes de 30 minutes non-stop. C'est pas bon pour mes nerfs. Enfin, je dis mes nerfs, mais c'était... Oh, je vais même pas percuter, c'était la dernière étoile. Je sais pas pourquoi, comme c'était 8, comme c'est le niveau 8, je me dis oui, il y a 8 étoiles quoi, non, je sais pas pourquoi. Bon, laissez tomber, posez pas la question, je n'ai pas envie de donner de réponse et je pense pas que vous ayez en non plus. Bon bah écoutez, tant mieux, ben c'est parfait, puisque la prochaine fois on va crever en boucle pour essayer de récupérer des pièces. Ah ! Oh non. Oh, les pièces vont être une plaie. Enfin, moitié, puisque y en a quand même pas mal qui sont dans la pyramide. Mais bon, bref, on verra la prochaine fois, donc d'ici là, ciao.